1, 2, 3, 4, plus 1, 2, 3, ça fait 7. 7 moins 1, ça fait 6. Donc, il faut qu'il y ait 6 cases pleines. Or, on a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a 5 cases pleines et par conséquent, la solution offerte par la méthode du coin nord-ouest, par cette heuristique, qui est quand même une solution réalisable. C'est une solution réalisable, mais ce n'est pas une solution de base réalisable. Pourquoi? Parce qu'on a 5 cases pleines au lieu de 6 cases pleines. On dit que cette solution proposée par la méthode du coin nord-ouest pour ce problème de transport est une solution réalisable dégénérée. C'est une solution réalisable dégénérée. C'est une solution dégénérée. Et on ne peut pas tout de suite passer à l'étape 2 pour trouver, si elle existe, une solution ou peut-être la solution optimale de ce problème de transport. Je vais calculer le coût de transport. Quel est le coût de transport associé à cette affectation? Le coût de transport, 20, 10, 50 et puis 50. Donc, les coûts de transport unitaire sont ici, dans les coins là. Ce sont les CIJ. Et puis ça, ce sont les XIJ. Donc, vous voyez qu'on a affecté 20 unités de l'usine 1 vers le magasin 1, 10 unités de l'usine 2 vers le magasin 2, 20 unités de l'usine 1 vers le magasin 2. Donc, le coût de transport correspondant, c'est... Évidemment, ce n'est pas le coût optimal. Mais puisque la solution initiale est dégénérée, on va lever la dégénérescence un peu comme on lève l'indétermination quand on a calculé une limite qu'on a trouvée, je ne sais pas moi, 0 sur l'infini ou 0 sur 0. Et une fois qu'on a levé la dégénérescence, on peut, par le calcul, ce qu'on appelle le calcul des potentiels, voir si le coût que je vais calculer ici est optimal et comment est-ce qu'on peut l'appliquer. Alors, Z égale à 20 fois 4, 20 fois 4 plus 20 fois 6, 20 fois 6 plus 10 fois 8, 10 fois 8 plus 50 fois 6, 50 fois 6 plus 50 fois 8, 50 fois 8 égale. Ça me fait 980 $. Ça, c'est le coût de transport associé ou lié à la solution initiale, qui est une solution réalisable, mais qui est dégénérée. À la solution initiale. Et quelle est cette solution initiale? Eh bien, c'est. Voyons maintenant comment lever la dégénérescence. Comment passer d'une solution réalisable dégénérée à une solution de base réalisable. Donc, solution réalisable, mais dégénérée. Dégénérée. Comment on passe de ça vers une solution de base réalisable? Autrement dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour passer d'un tableau qui a 1, 2, 3, 4, 5 cases pleines à un tableau qui a m plus n moins 1 et qui vaut ici 6, donc il y a 6 cases pleines. Donc ici j'ai 5 cases pleines. Moi, je voudrais avoir 6 cases pleines. Comment on fait? Comment on fait? Alors, je vais effacer ces trucs-là. Donc, je vais garder la solution obtenue par l'heuristique coin nord-ouest. Et puis, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever tout ça. J'ai plus besoin de... Ici, j'ai 30, 50, 50, 40. 60 et puis 50. Et on sait que le problème est équilibré, seulement il est dégénéré. En fait, cette solution de base est dégénérée. Écoutez, mon tableau n'est pas grand. Okay? Et parce que mon tableau n'est pas grand, je suis obligé de faire des raccourcis. C'est-à-dire que je ne vais pas trop écrire et je vais passer directement à l'implémentation de ce que j'aurais dû écrire. Okay? Parce que ça va me demander d'effacer plein de trucs et je n'ai pas envie d'effacer ça. Donc, je vais prendre des raccourcis, ok? Donc, l'idée, c'est d'introduire, on va introduire une quantité que je vais appeler epsilon. Une quantité epsilon qui est à peu près
disons qu'elle est très petite, une quantité epsilon très petite, c'est-à-dire très voisine de 0. Voisine de 0. On va l'introduire dans ce tableau. De quelle façon? On va l'introduire de telle façon qu'on ne puisse pas former ici. On ne puisse pas former ici. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez, si je mets epsilon ici, et je dis que epsilon est pratiquement nul, ok? Epsilon est pratiquement nul. Regardez, je peux partir de la case ou bien de la cellule qui comporte la valeur epsilon, et puis construire un cycle. Par exemple, je peux construire ce cycle-là. Donc, on va introduire une quantité epsilon voisine des 0. Mais il faut introduire cette quantité-là, il faut la placer quelque part dans l'une de ces cellules, astucieusement. Et que signifie ici le mot astucieux? Ça veut dire que je dois mettre epsilon dans une case ou dans une cellule, de telle façon, de telle manière, qu'en partant de cette cellule, ou la case, qui comporte la valeur epsilon, je ne puisse pas former un cycle. Donc, cette cellule ou cette case n'est pas un candidat. C'est pas un bon candidat. Pourquoi? Parce que à partir d'ici, je peux former un cycle. Est-ce que je peux placer epsilon ici? Est-ce que je peux placer epsilon ici? Par exemple, je peux faire comme ça, comme ça, comme ça. Apparemment, je peux partir de là jusqu'ici. Bon, je peux partir d'ici, tomber ici, mais je ne peux pas avancer parce qu'il n'y a plus de valeur. Donc cette case est un bon candidat. Et ici, je peux faire ça. Et puis, même si j'arrive ici, je peux monter et puis venir comme ça, mais je ne peux plus avancer parce qu'il n'y a plus de valeur. Mais si je viens ici, je peux descendre, il n'y a plus de valeur. Donc ça aussi, c'est un bon candidat. Lui aussi, c'est un bon candidat. Ah, donc il y a des candidats. Mais lui, ce n'est pas un bon. Et peut-être que lui aussi n'est pas bon. Regardez, parce que si vous mettez epsilon ici, vous pouvez faire comme ça. Vous avez un cycle. Et ce n'est pas bon. On ne veut pas de cycle parce que les cycles traduisent des dépendances entre les cellules ou les cases. Les cycles traduisent des dépendances entre les cellules ou les cases. Et nous, on veut que les cases ou les cellules soient indépendantes, principalement. Et c'est cela qu'on évite les cycles. Donc, j'efface ça. Donc, j'ai 10. Donc, j'ai plusieurs choix. Lui, ce n'est pas un bon choix. Lui, ce n'est pas un bon choix. Il semble que ça. Alors, je vais prendre... Disons, je lance un jeton et puis je prends au hasard, prenons ça, ok? Prenons ça, je mets epsilon ici. Et donc, j'ai introduit une quantité epsilon qui est pratiquement nulle. Et je suis confiant que cette façon de placer epsilon là ne crée pas de cycle. Voilà. Vous ne pouvez pas partir de cette cellule ou de cette case et puis construire un cycle. Voilà. Chaque fois en tombant sur une case qui contient une valeur, voilà. Donc, vous ne pouvez pas dire, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, puisqu'il n'y a aucune valeur ici. Donc, il faut, par exemple, vous pouvez faire comme ça, mais si vous décidez de venir ici, il n'y a pas de valeur, donc il n'y a pas de cycle. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer des potentiels, et là, j'ai besoin de ma calculatrice, ma calculette. On n'a besoin que d'une calculette hein, pour faire ces trucs. On va calculer des potentiels. J'appelle U1, U2, U3, les potentiels qui correspondent aux usines, et puis V1, V2, V3, et puis V4, les potentiels qui correspondent aux colonnes. Et puis je vais affecter arbitrairement la valeur 0, je vais dire le premier potentiel U1 égale à 0, et à partir de là je vais pouvoir calculer tous les autres potentiels. Comment est-ce que je vais le faire? Eh bien, j'ai U1 égale à 0. Je fais U1 plus V1 doit être égal au coût de transport associé à cette case. Or, le coût de transport associé à cette case, c'est 4. Donc, U1 plus V1 égale à 4. Nécessairement, V1 égale à 4. Cette case aussi